Hey, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le 11e épisode d'Until Dawn sur PS4. Continue des bonus. Non, on s'en fout de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà récolté? Ah, il en manque quand même quelques-uns. Deux. Donc nous allons reprendre et nous allons voir où nous en étions restés avec le résumé de l'épisode précédent. Jessica! Mike, il n'y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Elle l'a probablement emmené dans la mine. Stop! Ne bouge plus. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. On dirait Ghost Rider. On trouve un moyen d'aller là où il s'est enfoiré. Oh, il a une sale gueule, le psy. Nous sommes dans la tête du Josh. Je me demande si ces sessions vous sont d'une quelconque utilité. Vous n'écoutez pas et la situation est si compliquée. Je dois vous quitter maintenant, Josh. Il est grand temps pour vous de comprendre qu'il existe de plus grands dangers en dehors de l'imagination morbide et déséquilibrée d'un gamin complaisant et vicieux. Tant de gens vous aimaient et tenaient à vous, étaient prêts à vous aider. Mais vous les avez tous repoussés successivement. Et maintenant, vous voilà seul. Et vu la tournure des choses, ça ne devrait pas durer. Vous ne serez pas seul longtemps. Respirez, Joshua. Respirez. Attention.
trompe pas, mais perdu c'est le seul ou est-il... Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi tranquille ! Non ! Vous êtes morte ! Désolé. Vous êtes morte ! Non ! Fermez-la ! Non ! Vous êtes morte ! C'est vrai. Tu nous as manipulés. Ils vont me lâcher. Nous n'avons plus de temps. Je vous crois. Il n'y a pas bonne mine en tout cas. Tout ce que je vois, c'est que... Dieu ne sait bloquer. De deux, il n'est pas aidé. Non, vous n'êtes pas arrivé. On était toutes seules ici. Non. Oh, t'as de beaux yeux, plus ça. Non, pas encore. Toutes seules. On était là maintenant. Fuck. Avec ta famille. Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi ! Pourquoi tu nous as pas sauvés, Josh? Pourquoi tu voulais qu'on meure? Je voulais pas que vous mouriez. Je jure. C'est chaud, là, quand même. Oh, putain. Il y aura des morceaux d'intestin. Non, avec des chaînes. J'ai vu des trucs vraiment tordus. Wow. Ils se sont sûrement échappés quand tout a pété. Bien joué. Donc là, je contrôle Sam. Il y a pas des totems dans le coin ? Ah ouais. J'aime pas la vue de face là. De côté. Okay.
C'est sa montre. Quoi? Laisse-moi voir. Oh, regarde, il y avait une croix là. Alors c'est là qu'elle reposait. Ah, mais... qui l'a déterrée? Allez, continuons. Pas d'autres totems? C'est bon, viens. T'es sûr? Je suis encore vivant. Ouais, tes dernières paroles. Oh, oh putain de merde. Je sens plus mes doigts. Mais c'est pas ça. Merde. Ah, je me suis coupé. Voilà, ce soir. Parti loin, mec. T'étais complètement dingue. On ne pensait pas te ramener. Ok, allez, on se casse d'ici. Ok. Josh, est-ce que t'as la clé du téléphérique? Ouais. Tiens. Attends, mieux. Tu vois ça là-bas? Ça veut dire qu'il y a une sortie directe. Allez. Il n'y a pas moyen que Josh arrive là-haut. Ok. Vous m'aidez, je peux rentrer pour dire aux autres qu'on va bien. Ouais. Ouais, d'accord. Tu ramènes Josh par là où on est passé et on se retrouve au chalet. Fais attention. Ouais, toi aussi. Oh.
Allez, on y va, espèce de malade. C'est vachement intelligent de lui dire ça. Et Josh est juste derrière. T'étais pas obligé de frapper si fort. Ah, ouais. Je suis désolé pour ça, mec. Je croyais que t'avais tué Jess. J'avais tort. Merde, encore une fois, je me suis courbée. Ça pue là, il y a la flotte qui est en train de bouger là. Non, tu n'es pas réel. Non, tu n'existes pas. On va sauter. Non. Ah, je suppose. Ouais. Quoi? Non, triangle. Oula, j'étais pas loin. Ok. Yes. Allez. Magnifique. Allez, on continue. Gauche, droite. Dans ce sens pareil. Ah,
Par contre, c'est bon, faut le mettre en gauche. Ça chlingue, là. Elle est sympa cette petite musique. Allez, lève-toi. Si on traîne dans le coin. Allez. Je ne vais pas ranger. Merde. À mon avis, quelles sont nos chances de survie? J'essaie de pas trop y penser. Oh putain, j'aurais dû faire mieux. Yes.
Oh, violent. C'est fait. Donc il y a combien de survivants? Le bâtiment principal est complètement détruit. Terminé. Oui, ceux qui sont morts, c'est la crise. Je vois quelque chose. J'ai la confirmation. 4 survivants. Ok, on descend. C'était mon meilleur ami et peut-être même. On n'a jamais eu l'occasion. Il l'a braqué sur mon visage. Juste là, devant mon nez. Il aurait pu me buter. Il a failli me buter, le connard. Quand on sort avec un type pendant je sais pas combien de temps, on croit le connaître. Mais là, lui, il s'est vraiment surpassé. Il pétait complètement les plombs. Il voulait nous faire du mal. Et... J'ai cru que c'était lui qui avait attaqué Jess. J'ai cru qu'on était proches. Après que ses sœurs aient disparu, il est venu me parler. Il a dit que j'étais la seule personne à comprendre. Et j'ai cru... J'ai cru qu'on était proches.
vous avez besoin de parler à quelqu'un. Je vais bien. Vous savez, parfois, suite à un profond traumatisme... Je vous dis que je vais bien. J'ai entendu Jessica. Je sais pas comment ni pourquoi elle était là, mais je sais que je l'ai entendue. Et Lad, vous l'avez trouvé? Non, pas encore. Ouais, bah, vous voulez pas. Vous n'avez pas l'air très inquiète. Cet enfoiré m'a laissé crever. Il a dit qu'il était mon petit ami et il m'a assassiné ni plus ni moins. Vous seriez inquiet, vous? J'ai pas été assez rapide. Il s'en est fallu d'un cheveu. Si j'avais pu aller juste un peu plus vite, j'aurais pu la sauver. J'aurais pu l'aider. Donc c'est ma faute. C'est ma faute, Idia, c'est morte. Je l'ai planté et j'ai essayé de m'enfuir, mais je savais pas, il faut me croire, je savais pas. Savoir quoi? Et planter qui? J'ai poignardé le psychopathe, je savais pas que c'était Josh, et en fait c'était lui le psychopathe, sauf qu'on pouvait pas se douter que Josh allait tout laisser, flingue. Écoutez-moi bien. Je m'en fous que vous me croyez ou pas, parce que vous finirez par le croire. Vous devez descendre dans les mines. Pour y chercher quoi, Sam? J'ai vu ce qu'il y a dans ces mines. Et je donnerais n'importe quoi pour oublier ça. Bon, et bien voilà. Vous avez vu le résumé du jeu. En espérant que cette vidéo vous aura plu, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de prochaines vidéos.